La querelle rapportée entre le prince Harry et le prince William n'a aucune chance de prendre fin à la suite des prochains mémoires du duc de Sussex, a affirmé un expert royal. L'expert royal Richard Fitzwilliams a décrit le livre du prince Harry, qui devrait être publié fin 2022, comme un problème pour la brèche entre les deux frères. Les prochains mémoires du royal de 37 ans promettent un récit précis et entièrement véridique de sa vie. Monsieur Fitzwilliams, qui a affirmé que l'interview destructrice du prince Harry avec Oprah en mars 2021 avait déjà rendu les choses très difficiles. A émis à l'hypothèse que le livre serait probablement une entreprise commerciale et elle a dit qu'il ne voyait aucune faille en cours de guérison à cause des révélations à venir. S'exprimant sur le podcast de Too Deep for Daily, il a déclaré, les deux frères étaient inséparables. Et il ne fait aucun doute que l'une des tragédies est qu'ils ont pris des routes très, très différentes. Et je ne vois pas de rupture en cours de guérison, malheureusement, parce que ce que vous regardez maintenant est un mémoire qu'Harry est en train d'écrire et qui sortira à l'automne maintenant, le problème, c'est ce qu'il y aura dans ce livre. C'est très difficile après Oprah, il y a un peu plus d'un an, et je pensais que c'était tellement destructeur, et aussi ouvert à différentes interprétations. Il a affirmé, et ils étaient pleins d'inexactitudes, dans beaucoup d'entre eux. Comme la reine l'a dit, si bien. Certains souvenirs peuvent varier. Monsieur Fitzwilliams a également averti qu'il serait très mal avisé que le prince Harry critique la duchesse de Cambridge dans le livre. Lorsqu'on lui a demandé quel genre de révélations sont susceptibles d'apparaître dans le livre, le commentateur royal a déclaré, c'est ce que l'on pense car il est très difficile de voir sans exacerber la querelle, la rupture avec son père et son frère. Et aussi s'il devait critiquer Catherine, je pense que ce serait très mal avisé.